Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle donc Christophe, je suis quasiment aveugle, atteint d'une maladie rare au niveau de mes yeux. Je suis très très malvoyant, je ne vois pas de visage. Vous me connaissez pour la plupart d'entre vous. Mais dans cette vidéo, j'aimerais provoquer un gars de l'high-tech, j'aimerais provoquer un youtubeur du nom de Jojol. J'aimerais pouvoir le toucher et qu'il puisse sensibiliser auprès de l'handicap visuel. Alors si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à mettre hashtag Jojol en description. Partagez cette vidéo un maximum auprès de Jojol. Hashtag Jojol, il faut le mettre partout pour qu'il puisse être sensibilisé auprès de l'handicap visuel, malvoyant et non-voyant. Je fais de l'high-tech, je fais des déballages, je fais des démonstrations high-tech depuis très longtemps. Ça fait maintenant 6 ans sur YouTube et j'aimerais vraiment lui faire tester des déballages en mode aveugle. Alors Jojol, si tu vois cette vidéo, je compte sur toi vraiment de m'inviter sur ta chaîne ou je t'invite sur ma chaîne pour que l'on puisse faire des déballages ensemble et te sensibiliser en fait à la déficience visuelle. N'hésitez pas à mettre hashtag Jojol partout en description, partager hashtag Jojol sur la chaîne Vision High Tech pour que l'on puisse sensibiliser un gros YouTubeur de plus de 2,5 millions d'abonnés pour qu'il puisse sensibiliser par rapport à l'handicap visuel. Allez, je compte sur vous et c'est parti pour la vidéo. Bienvenue sur la chaîne Vision High Tech, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va déballer deux petits produits ultra sympas. En plus, ce sont des produits que vous allez pouvoir transporter pour aller en vacances. On va déballer un stand 3 en 1 pour recharger tout type de smartphone. Alors iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, enfin tous les smartphones que vous avez dans votre poche, comme je viens de vous dire, c'est un 3 en 1. Il sera aussi capable de charger votre Apple Watch, votre Galaxy Watch, votre Pixel Watch. Non, je crois que la Pixel Watch, elle n'existe pas encore. Ça va arriver, je crois que c'est pour septembre. Mais Google a dit qu'il fallait pas le dire, donc je dis rien. On va déballer ce stand qui pourra aussi charger votre boîtier style AirPods, AirPods Pro. Si ce sont des boîtiers rechargeables avec la charge à induction, alors vous allez être super content de ce chargeur 3 en 1. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description, puisque déjà celui-ci, vous allez le trouver pour moins de 40 €. C'est en lien en description. Et dans la foulée, pour mettre ce stand et partir en vacances en toute tranquillité, on va déballer, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On va déballer ce sac à dos, ce mini sac à dos qui devient un sac à dos de 35 litres, un sac à dos de campeur qui actuellement est tout mini et lorsqu'on le déplie, il est tout gigantesque. Allez les amis, on va tout de suite commencer à déballer donc ce chargeur 3 en 1 de la marque EasyFAD. Je vous ai dit, vous aurez donc tous les liens en description. Alors qu'est-ce qu'on aura dans ce package? Alors comme vous pouvez voir ici en énorme sur votre écran, le package est vraiment très premium. On a vraiment un petit carton rectangulaire avec en façade le chargeur 3 en 1, capable donc de charger un smartphone, une montre et un boîtier d'écouteurs Bluetooth compatible avec la charge à induction. On déballe, c'est parti, rapidement. Alors comme d'habitude, comme tout package qui se respecte, une petite notice qui sera donc en français, mais rien de bien transcendant puisqu'on est sur un chargeur 3 en 1. On le connecte, on le branche à sa prise qui sera, je vous le dis en cachette, elle sera de 18 watts. On va retrouver donc le câble pour connecter notre chargeur 3 en 1. Et regardez, on est donc sur un câble de type USB-C vers USB-A. Plutôt cool, plutôt sympa. L'USB-C, c'est cool puisqu'on n'a pas à se prendre la tête pour aller chercher le sens, parce que c'est toujours casse-bonbon d'aller rechercher le sens lorsqu'on a du micro USB. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Regardez-moi ce chargeur 3 en 1. C'est un chargeur tout en un. En fait, il n'y a qu'à déplier. Regardez ici, il est tout plat, de couleur noire, tout simplement. On a simplement à déplier la zone où on va poser le smartphone. Ce chargeur, tout est en induction. Alors sur le côté droit où on va connecter notre smartphone, on a donc l'endroit où on posera notre boîtier d'écouteurs Bluetooth. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est compatible AirPods, tout boîtier à induction sans problème. Et à l'intérieur, vous allez donc retrouver
le petit adaptateur pour connecter, pour aller brancher, pour aller connecter votre montre. Et pour ça, c'est tout simple, ça va se mettre sur le côté droit où vous allez connecter votre smartphone. C'est du USB. Et voilà ce que ça va donner lorsque vous aurez connecté le tout. Plutôt cool, très design, très sympa. Et comme vous pouvez voir ici, le côté téléphone se plie à plat, complètement en fait transportable. Et avec, les amis, vous aurez donc la prise murale, la prise de type européenne. Tout est fourni dans le package, plutôt sympathique. Alors abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour encourager la chaîne et peut-être pour gagner l'un des prochains cadeaux qu'on fera sur la chaîne Vision High Tech. Allez, on passe tout de suite au déballage du sac. C'est parti. On va donc déballer ce sac qui peut être de différentes couleurs. Étant donné que c'est les vacances, vous allez pouvoir utiliser ce sac directement pour partir en vacances, puisque ce sac est entièrement plié et entièrement mis en boule. Et lorsque vous allez le déplier complètement, vous allez avoir un sac de 35 litres. 35 litres, c'est vraiment très conséquent. Allez, on va tout de suite le déballer ensemble. C'est parti. Alors celui-là, je pense que je vais me le garder, puisque il peut contenir quand même pas mal de choses. Justement, votre station d'accueil, votre chargeur que je viens de présenter. À l'intérieur, vous allez pouvoir donc mettre vos disques durs, un ordinateur de 16 pouces. Vous allez pouvoir vraiment mettre pas mal de choses. 35 litres, c'est assez conséquent. Il y a pas mal de poches sur les côtés, devant, derrière, à l'intérieur. Il y a vraiment de quoi faire. Allez, on l'ouvre directement. C'est parti. En plus, la présentation est assez sympa. Vous allez le trouver pour moins de 30 euros. Ça, c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors moi, je l'ai pris de couleur vert. Vous pouvez l'avoir de couleur rouge, de couleur violet, de couleur noire ou de couleur vert. Et puis voilà, je crois. Donc voilà, la tête un peu casse ce sac une fois entièrement plié. Regardez, on a une petite poche déjà derrière. Alors regardez, on dirait un petit sac, en fait une petite pochette qu'on met sur le côté pour transporter nos papiers. Mais que nini, puisque ce sac est entièrement dépliable. Ce qui est vraiment sympa ici, c'est que vous allez voir, lorsque on va ouvrir la première fermeture éclair, voilà, regardez, tout, ici, et là, je vais sortir mon sac. Et là, les copains, là, les amis, là, c'est franchement top de chez top, j'adore ce système-là. On a, comme vous pouvez voir ici, un sac directement de 35 litres. C'est pas cool ça? Ça, franchement, je kiffe énormément ce genre de produit. Regardez, on a pas mal de petites poches sur le devant, donc une petite poche sur le devant. Avec ce sac, vous allez pouvoir vous balader aussi bien sous le soleil que sous la pluie. C'est un sac pour voyager, c'est un sac en fait pour partir en vacances, c'est un sac de montagne avec ces deux bretelles, vous voyez, entièrement réglables, hein, sans problème. Et à l'arrière, au niveau du dos, un tissu spécial. Si vous suez beaucoup du dos, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir avoir ce tissu qui absorbe la sueur de votre dos. Donc vraiment un truc très sympa, je trouve vraiment très sympa ce sac, puisque on peut vraiment mettre pas mal de choses. 35 litres, hein. Moi je vais le prendre ce sac pour partir éventuellement en vacances, pour mettre tout mon matériel informatique pour moins de 30 euros. Vous avez un sac qui, de la forme mini, eh bien vous le retrouvez en forme maxi. Plutôt cool, non? Alors regardez, en plus, pour le remettre directement en boule, c'est tout simple. Vous le repliez, regardez ça, ça prend quelques minutes pour envoyer directement le tout à l'intérieur. Et regardez, ni vu ni connu, vous avez donc votre sac de 35 litres qui s'est transformé en un mini sac. Super, franchement. Franchement, je trouve ça super cool. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà, vous, en votre possession, ce genre de sac. Parce que moi, je trouve ça vraiment très pratique. Je vous mets tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à les checker. Je vous montre tout de suite comment on positionne les smartphones en général sur le chargeur. Et je vous montre le sac, comment je vais le remplir à fond. C'est parti. On va connecter un iPhone 12 Pro Max et voyons voir si il va se mettre à charger. Chargé à 99%. Notification. Isolation. Il y a 2 minutes. Chargé à 99%. Chargé à 99%. Voilà, donc comme vous avez pu voir, instantanément j'ai posé mon iPhone 12 Pro Max sur le chargeur et directement
Et on reteste. Chargé à 99%. Chargé à 99%. Voilà, c'est instantané. Dès que je pose, c'est parti. Alors, on va vérifier avec l'Apple Watch. On va vérifier maintenant si, en posant les AirPods, ça fonctionne. C'est parti. Voilà, donc instantanément, nos AirPods se mettent à charger. Donc, vous aurez la possibilité de charger votre iPhone, votre smartphone sous Android, votre Apple Watch, une watch de chez Samsung, par exemple la Watch 4, etc. Et vous aurez la possibilité de charger votre boîtier induction, vos AirPods Pro, un boîtier d'écouteurs Bluetooth, mais le boîtier, il faudra qu'il soit compatible à la charge induction. Voilà, donc vous pouvez voir, une fois que le sac est rempli au complet, on a vraiment un énorme sac de transport, alors que lorsqu'il est plié complètement, il est tout mini. Et regardez, on a donc plusieurs poches par devant. On a ici une petite attache, si vous voulez par exemple attacher une gourde. Une très grosse poche par devant. Et je peux vous dire que là, je l'ai rempli à fond. C'est vraiment le top d'avoir un sac comme ça, entièrement transformable. Voilà, donc on peut ici directement attacher le sac pour qu'il puisse tenir au maximum. Et regardez, au niveau du sac, c'est vraiment nickel. Merci à tous d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hi-Tech. Et puis, je vous souhaite bonnes vacances à tous pour ceux qui sont encore en vacances. Bonnes vacances à ceux qui vont partir. Moi, je pars en vacances. Je m'en vais avec ma canne blanche à la montagne. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Et regardez. Et pensez bien à les checker. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description. À très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous, les amis. Salut !